Conduis la vie de chacun pour l'honneur de ton ensemble.
gloire et dominer ces lieux. Oui, ce qui nous pose en verre. Tu nous avais dit de toujours prier. Que ton règne vienne. C'est pourquoi sois le roi dans le cœur de chacun. Assemblée à Tongo de l'Elo. Dans l'assemblée de ce matin. Nimonisana Nyosana Congo Kitoko Yamokonzina Bisoko. Montre-toi en toutes choses au nom magnifique de notre roi. Congo Isaïe Corona Nyos. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Congo Isaïe Corona. Le nom qui est suffisant. Congo Yona Oye Kekezani Corona Nyos Opene Kikikoya. Le nom qui est au-dessus de tout nom dans ce ciel. Congo Na Jésus Christ. Le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Et de Jésus Christ. Parce que lorsque moi je travaille aussi ensemble avec d'autres serviteurs. Si notre serviteur va toujours ensemble, nous allons toujours travailler ensemble. C'est comme Actes des Apôtres, c'est comme les dix Actes des Apôtres. Pierre s'est mis debout avec les onze. Et tu l'as tellement qui n'a pas sauvé dans notre monde. Nous avons Pierre, il est mon bon, mais il y a 12 personnes. On voit Pierre lui-même et ses 12 personnes. Et vous allez pour louer Zambé. Et nous nous ça aussi la chambre. Toujours dans l'œuvre du chant aussi. Et là, on aime autour aussi dans la chambre, les années pour garder pureté, sanctification. La plus grande chose à recommander au chant, c'est garder la sanctification et la pureté. Il y avait des tarias, ils allaient même pas la tête. On lit, moi, pour mitom, pour la communion, ils allaient pas la salle, ils allaient la tête. Bible dit, et les sentiments qui est en Christ. Vous allez dans la pose, ils allaient quitter à Christ. Il est où, les années Zambé? Lui qui était Dieu. Maman a quitté. Il y a où ils ont été une proie arrachée. Il y a où on a quitté qu'on s'amènerait pour la construire la vie de lui. Il s'est humilié. Parce qu'il a mis qu'il était ici et moi. Donc, pas sentiment qu'il était en Christ. Le sentiment qui était en Christ. Il s'est humilié lui-même. A mis qu'il était ça. Donc, il y a pas besoin de la humilité. Donc, on parle de l'humilité. Ah, comment il compte un simple homme. Il apparaît comme un simple homme. C'est rendant obéissant. A commis comme il s'en retourne tous. Sentiment qu'il était en Christ. C'est l'obéissance. Les sentiments qui étaient en Christ, c'était l'obéissance. Et à souffrir, souffrance, la croix, et à mort jusqu'à la mort de la croix. Veillez à nous, quoi, ma qui n'a qui n'a couffé avec qui n'a couffé avec nous. Alors, il y a une détermination, la persévérance. Donc, il était déterminé à persévérer. Alors, le sentiment, on va le mettre qui est dans la carte de l'homme. Maintenant, on nous recommande que ces sentiments soient en nous. N'est pas relâché dans les combats. Comme il dit qu'à terre, la carte de tout. Non. À Nimaki. Il avait accepté la mort jusqu'à la mort. Donc, voici qu'il a dit qu'il n'y avait pas trouvé humilité. On demande qu'on croit qu'on puisse trouver l'humilité. Pas trouvé obéissance. Pas tout à fait pour tous. Pas trouvé persévérance dans ce chemin. Mais pas tout à fait qu'il pique qu'on a dit qu'il n'y avait pas. Vous avez dit qu'il n'y avait pas pour un temps, mais à un certain moment, on a dit qu'il n'y avait pas. Et ne te dis pas que j'ai pris pour un temps, certain moment, je vais abandonner les choses. Parce qu'en passant, les alakakanètes, ils secondaires. Que les choses de Dieu soient des choses qui viennent au second plan. Non, il faut persévérer jusqu'à la fin. Essayez de courir comme pico qui n'en a souvent. Et Jésus-Christ, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est la sauvé. Oui, courir comme pico qui n'en a souvent, il y a un pikaka. Et c'est ça, le sentiment qu'on nous en va signer dans la carte de l'homme. Et c'est les sentiments que le Seigneur demande, les sentiments qui doivent être en nous. Nous au Seigneur, nos parents. Nous demandons aux parents. Moi, avant de demander pour talaka le galati. Il faut regarder l'habillement de l'enfant avant de sortir. Maman aussi, quand nous avons sauvé le moine et là-bas. Et maman, lorsque tu achètes un vêtement pour ton enfant, t'embolac ensemble, Napoléon. Il faut marcher ensemble avec l'apôtre Paul. Afin que vous choisissiez ensemble le vêtement. Avec l'enseignement. Marche avec l'enseignement des apôtres.
tricot, ma robe tricot, et ils adaptent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Disons qu'une robe qui sert et l'égypte qui sert le corps doit disparaître au milieu de nous. La vie pour un coussin. Et courte jupe. Et ils adaptent la vie. Non seulement les serments. Vous savez, uniforme et moi. Donc, tu confectionnes l'uniforme de veille à l'enseignement. Veille à l'enseignement des apôtres. La dignité. Dans le but que lorsqu'on va observer l'enfant, qu'on puisse reconnaître l'enfant montre ce que son parent est. Quand il ne voit pas trop jupe avec des courtes jupes, une jeune fille n'a pas un talent, talent moulaï. Et les deux mois, c'est un talent moulaï dans le col. Donc, ils ont béni nos papas. Donc c'est l'identité de ses parents. Même si vous les voyez, ils sont des fruits. C'est toi le fruit qui est cet enfant-là. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. La première fois quand c'était dans mon manière, comportement à la selon le Seigneur. Que ton comportement à la maison soit selon le Seigneur. Nous insistons sur toi. Nous insistons sur toi. Babylone, on est à ma nouvelle, ma fille, l'union sur la DBC, ma vie à ma tribu. Les séries nouvelles et tous ces films ont détruit la vie de mon âge. Dans leur manière de se vivre. Légèreté, mortalité. Au moins, ma caboua pampa. Ma copine va exposer, ma tribu s'embrasser. Commence même à exposer les gens qui s'embrassent en public. Et quelle sorte d'esprit, ma copine, ça va pas être la gagne. C'est quelle sorte d'esprit qu'on met dans les gens. Il faut savoir que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Oui, mais il y a des mots qui les aliment assez en lumière ou pour nous. La bandade qu'on est plus de nous pour le feu brouillard. Nous devons réviser ces choses dans nos maisons. Les loups bateaux, les jeunes soeurs, ou bien, maman, ou elle a des qui m'avaient dans un secteur. Aujourd'hui, les jeunes soeurs et les mamans qui s'étaient mal habillées, je les ai fait retourner à la maison. Tu es venu au culte. Vide. Et avec rien, tu es vide, tu n'as rien. Maintenant, qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Si même dans ton terme, normalement, on n'a pas un joueur, on a mettre gauche ou droite. Et tu n'as pas que ce joueur-là, comme vraiment un ami ou un ami. Et tu vois même le but de la tête. Aussi discipliné. Disciplinez-vous. Nous sommes des étrangers et des passagers sur la terre. Nous allons pas faire un peu la liquidité là. Donc, la vie est attachée à Christ. Au moins, il a pu se combattre dans sa vie. En Dieu. Dans sa vie. Et que c'est la vie de nous, nous sommes. Et nos vies sont différentes de toutes les vies de tous les gens sur la terre. Afin de vivre dans la légèreté, il n'y a pas papa, il n'y a pas. Qu'on ne te trouve pas dans la légèreté de la terre. Là, c'est pour ça la question. Au moins, la Paul n'a pas besoin d'être là. Paul, je me suis plutôt posé toujours la question. Paul aurait joué aux dames. Soit les longs, le gros. Soit, soit. Au moins, la Paul. Au moins, les azules, les azules, les paris foutent, ce paris. La Paul, dans les paris foutent. Mais lui, soyez mes imitateurs. En vivant, ça l'a mis à mes colis en bas. Tu vas remplacer ma camanza, mais la vie a rejeté. Les gens ont remplacé les choses de Dieu par des choses vaines. Mais faisons la récitation à mon ennemi. Mais les choses de Dieu doivent être rétablies à leur place.
Israël. Le Seigneur avait dit à Israël. Dans Deutéronome 6. Parole s'éloignait dans ta bouche. Et cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Comment on a entré en la parole? Écris-la dans l'entrée de ta maison. Sur le poteau et le linteau. Tiens-moi. Il faut la serrer dans ton bras. Tiens-moi la forme. Il faut s'inscrire dans le fond. L'obéir en temps. Il faut en parler lorsque tu es à la maison. Et qui est à mon bal? Mais quand tu sais un peu dans ma casse, n'a qu'à ta balle. Ah, c'est ça. Quand tu sais un peu dans ma casse, inculque-la aux enfants. Parce que ce qu'on instruit, moi, là, déjà, là, pour moi, là, ma lame, on t'a pas beaucoup en colère pour se détourner. Si tu instruis l'enfant sur un bon chemin, il ne se détournera pas. Et ça, pour moi, là, il est aussi un peu dans ma casse. Donc, quand tu sais ça dans ma casse, inculque à l'enfant la parole. Ça, la culture, ok, comme il en a pour s'amener la banane. Et la culture de prier ensemble avec les enfants à la maison. Au piment qui nous sommes, tu étais sorti et tu es regoyable ensemble. Venez, on va prier. Amen. Oui, on va quand même rendre grâce à Dieu. Sachez quand même rendre grâce au Seigneur. On va s'échapper dans la campagne à mon lit évident. Tu vas t'échapper à beaucoup d'œuvres de ténèbres sans le savoir. Et puis le combat on s'en va bouger évident. Et puis le combat que le Seigneur a combattu. On va faire qui? Tu vois c'est bon, tu as démarré. Tu as fini. Aujourd'hui, tu es rentré. Après, tu es rentré dans d'autres choses. Donc, maman aux Oninam, papa aux Oninam, semblez-là, il y a un bon. Alors, lorsque vous rentrez à la maison, prie ensemble avec vous. C'est la gare à Théo, 20h21. Semblez-là, n'attendez pas seulement 20h le soir pour remercier. Remerciez le Seigneur lorsque vous retournez à la maison. Au Kumbisaï. Et c'est la une vie. Et c'est la soif une vie. Et dégage à ta maman, on y en se la pampa pampa. Et cela dégage toutes les choses belles. Et l'écriture de l'éternel, c'est celui qui est au bon nom de la natina et le bon nom de son voyage. Tu parleras de cette parole pendant le voyage. Donc c'est que partout, il faut le nom du Seigneur des arts. Et si ta mère, c'est ce qu'elle convoit en état, où il est fait la parole. Que tu puisses élever la parole de Dieu. Bah, écoute, on a ma doublété à ma maman aussi. On est du coup. Trouve pas dans les troubles les choses du monde, mais il est venu le Seigneur de gloire. C'est un mot la tête encore un cœur. Oyez ma prophète à Jésus-Christ, place dans ta vie. Que tu saches donner à Jésus sa place dans ta vie, surtout la confession. Mingi koyambo la bouche. Ne cache jamais les péchés. Les soumou et en compagnie. Les péchés est un visiteur. Nathan a eu au temps à David. Nathan est venu voir David. Quand David a s'appuyé déjà dans mon séjour. Lorsque David était tombé dans la guerre avec la femme, Abadi pouvait être le solo. Il a commencé à lui raconter les arrangements qui n'a conduit ma casse la ville. Il y avait un homme qui était fort riche dans cette ville. Azali n'a pas prédit et béni. Et il avait beaucoup de brebis. Mais Azali n'a pauvre monde dans ta ville. Mais il y avait aussi un pauvre dans cette ville. Azali n'a prédit mon. Azali n'a pas battu les mots. Maintenant, cet homme riche a reçu un visiteur qui était venu chez lui. Il fallait abonner la yéniama. Il fallait qu'il puisse immoler l'animal. Voler de lui préparer des brebis parmi les animaux qu'il avait. Accueillir aux brebis. Il est allé prendre la seule brebis de la pauvre, du pauvre. On t'a dit mon ambassade. Que ferait-on à l'éternel? L'homme a la capacité de condamner, la facilité de condamner l'autre que lui-même. Mais récemment, David a la vie un homme humble. Récemment, David a la vie un homme humble. Il a baissé sa sentence. Il a rendu le jugement. Il a vu mon toit. Il a bien été appelé. Qui a vu la vie pour toucher. Il a fait aller prendre les démons pour avoir une vie à mon corps. Pour appeler son voyage à être totalé. Et c'est un mérite. Il a donné la sentence. Nathan l'oubli. Nathan l'oubli. Et ça a été pour toi. Vous autres, moi, c'est. Tu avais pris la femme de lui. Roi a résisté à qui n'est pas à ce qu'il a selon le cœur de Dieu. Le roi n'avait pas résisté à ça qui m'a cœur monté ma vie. Le roi s'est humilié. Mais il faut y embarquer. Tu dois savoir. Nakate l'Omélia Nathan le prophète. Dans le langage de Nathan le prophète. Abena impidissime.
Et lorsque cet esprit est venu, là, plus ça dépend de la forme qui nous donne l'autre. J'ai pris cela pour démontrer les péchés, les sous, les aïeux. Les péchés n'est pas notre vie. Amen. Les péchés pour la mission des enfants. Pour nous, le péché est un visiteur. Tu ne peux pas être là. Ça, un frère. Tu es un frère. Pour ça, moi, c'est là. Tu es un enfant. Tu es un et tu payes le loyer pour d'autres femmes et tu couches avec elles. Et puis tu viens chanter gloire à Dieu si elle nous sommes se répandir. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur va te livrer. Comme elle voulait. Le nom de cette œuvre de l'être de Dieu. Mon salaire est arrivé. Comme on a le nom de cette œuvre de Dieu. Mon salaire est arrivé. Yeah, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Tu pouvais paraître comme caché, mais tu n'es pas caché. Si vous entretenez à côté qu'on ne dise rien, tu n'étais pas caché en fait. Solution pour elle. La solution pour toi, la répentance. Les amis, comment vous la montez? La confession. Les amis, comment vous la massou? Il faut se débarrasser dans mon païen des autres missions. Tu vas te débarrasser du visiteur qui te tourmente. Il faut vraiment renoncer à l'impudicité. Et ce n'est le petit Kabodumba. Vignons sur la mondanité. Et toute vie du monde. Oh, c'est renoncer à et ce n'est le petit Kabodumba. Oh, quand on a la vie à pudicité. Que tu puisses t'attacher à la purée. Des sainteté. Au moins au centre. Zambé, Azor, Baboué, Apécio, Mbongo, Apécio, Mkewana, les amis pour le Seigneur. Le Seigneur a dit que l'argent qu'il t'a donné, même si c'est petit, mais c'est pour le Seigneur. C'est Paul Nazaré qui s'en rend Timothée dans 1 Timothée 6. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6. Dis aux riches, l'obé la bataille, pas à la riche pour le Seigneur. Pas à la bataille, on suit pour la colo. Donc, ma dépense dans mon dos. Leur dépense. Et fait sa gloire au Seigneur. Et fait sa locoune dans colo. Et non dans ma fidélité. Et dans ma tabouille à Pampa. Il faut t'arrêter un bon moment pour ça dans le salami. Tu dois regarder si ton argent fait quel travail. Il y a un moment pour créer la suite de prospérité. Et ce qui va créer la prospérité. Ou blocage. Tout peut être au Kandama. À ta ou moins, on a 2 millions de dollars. Même si tu pourras avoir 2 millions de dollars. Là-bas, vous, comme son pauvre dans le monde. Et c'est la paix qu'on ne peut avoir un seul jour. À ta ou investir dans 100 banques dans le monde. Même si tu investis dans 100 banques dans le monde. Là-bas, vous, comme son pauvre dans le monde. Le Seigneur peut te rendre pauvre en un seul jour. Rien n'est impossible à dire. Et donc, comment toi, tu es sa personne pour ça? À pour ça, la paix, il peut aussi faire. Abonner aux hommes de la des fois que tu ne peux pas. Oui, à mon boulot dans ma vie. Il te tue, il te rétroche la paix. À mon boulot. En un seul jour. À ce que tu es au bon, à il te dit de prendre d'armes ce que tu penses. La solution à moi, non, la solution pour ça. Amen, la paix. Que je puisse me rétrancher. Tel est pour le moment. Et en un seul jour, tu abandonnes la paix. La patience de Dieu, écoutez ma collègue, ça va bien à terre, arrive aussi à sa fin. Là, quand tu as un jugement. Alors, il entre en jugement contre les hommes. Il y a un moment dans la chandelle. C'est pourquoi dans les chandelles, ils avaient une lampe dans la vase. Ils avaient qu'une épée, le bruit d'un peu la paix qui n'a pas. Dans cette lampe, donc, il y a dans cette vase. Paix n'a pas paix qui n'a pas. La vase, on a un chapeau. Et on mettait. Oui. Ma foudre. Et on mettait aussi la mèche pour faire briller le lamp. Lorsque les sacrificateurs l'allument, en suivant l'Exode 27, verset 20 à 21, même Lévitique 24, et même Lévitique 24, aujourd'hui verset 1er, le verset 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. On parle sur les chandeliers. Alors, même l'Exode aussi, verset 5. Et même dans l'Exode 25. 31 à 40. Alors, au moins, il va-t-il venir les eaux brûlées.
voyez comment on met la lumière. Au fur et à mesure des ombres là. Au fur et à mesure que cette la lumière est agréable qu'on a mis. La lumière est agréable à la vue. Mais lumière mignon sera. Mais chaque lumière est dit la cendre. Laisse sa cendre. Et puis, même si la lumière brûle, et dit la poupée. Donc laisse sa cendre. Donc lumière mignon se mouvement un jugement à la terre. Et chaque lumière enferme un jugement même. Ce qui est en train de se prendre en lumière, si le Seigneur te donne grande lumière, à bosser comme exigence sur tout le monde. Il va te demander beaucoup d'exigences. C'est ça l'église de Saint. Il y a mon église à la salle. Est-ce que c'est ça le Seigneur que c'est grande lumière? L'église de Saint, le Seigneur lui a donné grande lumière de la part. Qui a bossé l'exigence à casser l'église de Saint. Et le Seigneur sera très exigeant. Il faut que la lumière nous envoie baisser l'église de Saint. Il faut que la lumière que le Seigneur nous aille au Canada n'y pas jugement. Puisse être semblable au niveau de son jugement. Amen. Donc, pour sa caractère, lumière est à vous centre. La lumière laisse toujours sa cendre. Pourquoi c'est réjouir la parole? Tu peux te réjouir en écoutant la parole. Mais dans ta parole, là. Mais dans cette parole, Dieu voit aussi le jugement de Jésus. Ça fait à mon accapé ça, c'est l'autre. Et c'est pourquoi quitter la langue et ma vie. C'est pourquoi il faut quitter le mauvais côté. Vivement en vie de légèreté. Sors dans toute vie de légèreté. On s'est répandu. La repentance, c'est la vie de Dieu. Au bon pour la côté, vous allez vous et renoncer au mal. Parce que ta conscience est mis à l'aise. Parce que ta conscience te dit toujours. Ce qui est en mabé, si la chose n'est pas bonne, et tu t'attaches à quelque chose qui n'est pas bonne. Même si les gens ne le savent pas. Conscience même pour ça. Ta conscience ne va pas t'aider. Ta conscience te dira que cette chose n'est pas bonne. Réponds-toi. Beaucoup la monter. Bismarck. Et sors dans cette chose. Et que Dieu a proposé à la un bon maillot. Et que le Seigneur soit avec toi et te préserve. Il y a un mot, il y a un autre temps d'écriture, même ça pour les deux, de ton côté, les membres. Nous allons nous lever. Pour que c'est recommandé entre les mains du Seigneur. Pour qu'on médite la maman pour un col. Pour l'être en exhortation et autres. Suivant l'exhortation que tu viens d'écouter. Yoza parents, il y a une sacrée amie du Seigneur, mais ça n'a pas qu'à ça, parce que ça n'est pas trop mal. Dis à ce Seigneur, ton parent, de te donner la force de réunir ta famille. Aux habitudes de terre, aux sans-bélagas, aux unités, aux amis du Seigneur, n'aïbana pour les messieurs, à une tamonios. Dieu le Seigneur te donne la force de pouvoir les remercier à tout le monde. Un péché aux dominés, répands-toi. Ils sont aux autres, aux autres, aux autres. Mille et demi, c'est lui qui a avoué ses fautes. Oya sali, kolobama, bena yasa. Elle est de l'Est. Péati qui a beau. Obtient miséricorde. Yakuta 14 ans, kamaranta. Pour tout béni, tu confesses. Mais on dit ni que la tiki. Et tu crois que tu as renoncé à ça. Et alors vient la miséricorde de Dieu. Alors, sans bénir, sans zambé, sans alors, prie à Dieu de te dire de vivre la sainteté. Tout sans bénir, sans bénir, sans bénir. Prions le Dieu de grâce. Tu es le seul maître. Sambela, mitika na maboko na zambe. Kolo agumba yo na busanki. Le Seigneur te préserve dans la sainteté. Asane na yo kolo. Le Seigneur te fasse grâce. Afumwele na yo banzela na ye. Le Seigneur t'ouvre ses voies. Bona lokumu ya kombo na ye. Pour l'honneur de son nom. Ensemble dans le moment du Seigneur. La miséricorde des amis corona m'a concentré le bien. Pardonne les péchés de mon frère, de ma soeur. Pardonne nos fautes, nous ne sommes rien, Seigneur. Il me savait pas la bisotte aux alliés au côté. Nous espérons en toi, toi le Dieu de grâce. Seigneur, que ta miséricorde sur chacun. Pardonne, Seigneur, nos offenses. Pardonne, Seigneur, nos fautes. Sois grâce pour la vie de chacun.
ma pensée mauvaise, l'ombre de la rose. Seigneur, enlève toute pensée mauvaise dans nos vies. Sentiment nion sur ma paix dominé, bisoté, Jésus. Que tous vos mauvais sentiments ne puissent pas nous dominer, Seigneur. Que ta grâce seule puisse nous conduire. Nous en avons séga tout salé à yo. Nous avons, Seigneur, la requête. Nous avons le désir, Seigneur, de glorifier ta grandeur. C'est toi, Seigneur, le véritable refuge. Seigneur, donne à mon frère l'obéissance en ton nom. Et donne-lui, Seigneur, la force de résister au mal. Et Seigneur, épanouis en lui la vie de la sainteté. Ta grâce seule, Yahweh Molisamanaï. Et ta grâce seule puisse se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au sein de nous. Amen. Amen. Oui, acclamons le Seigneur. Et qu'il y a un aujourd'hui, texte de la mission directe, Apocalypse 2, verset 17. Maintenant, nous prenons notre texte, Apocalypse 2, verset 17. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et comment il commence à s'écrire? Que personne ne connaît. Oyo montote ayebi. Si ce n'est celui qui le reçoit. So kite oya zali na kozoya. Que Dieu bénisse les dieux. Zambia pa mbola mitangi. Nangolo na zambé, tozo tambola. Par la grâce de Dieu, nous marchons. Dans notre enseignement, nous sommes sur cette église d'Asie. Dans notre enseignement sur cette église d'Asie. Et toujours rendre grâce et pas zambé. Et nous rendons grâce au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous assiste sur ce chemin. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne la connaissance. Et c'est lui qui prépare aussi nos vies. Et c'est lui qui nous fait aussi de merveilles. Nous te rendons aussi grâce, lorsqu'on a terminé ici, nous sommes pour la parole. Et nous rendons grâce comme il nous a fait lever afin de prêcher la parole. Nous sommes dans cette église à Pergam. Nous sommes dans l'église de Pergam. Dans l'enseignement sur les sept églises d'Asie. Dans notre enseignement sur les sept églises d'Asie. Dans l'église à Pergam. Et dans cette église de Pergam. Nous sommes à l'étape, il y a la récompense. Nous sommes arrivés à l'étape de la récompense, il y a les foot. Donc les foot. Et la récompense est donnée lorsque la personne ou l'homme finit le travail. Pour consommer dans le temps de ça. Tu consommes d'abord ton temps de travail. Après, ma foutie. Et après, on viendra te récompenser. Les foutis dans quatre églises, il y a Pergam. Et la récompense dans l'église de Pergam. Les amis balais. C'est, il y a deux récompenses. Il y a les bossons. La première récompense. Mana oye bomba. C'est la manne cachée. Yami Bali. Et la deuxième, Ibanga ya monkey ya pembe. C'est le petit ou le caillou blanc. Ezana Kombo. Qui a un nom. Oyo yo monton soit évité. Que personne ne connaît. Kaka Oya Zuyangon de Akoye. Si ce n'est celui qui le reçoit. Pour insister qu'Eza, Ezo Pesamana Souka ya combat. On insiste que les récompenses sont données à la fin du combat. Au tamboli, au vaincre, après aux yeux. Tu marches, tu combats, tu vins et puis tu reçois la récompense. C'est pour toi, ce qui est dans la parole. C'est pourquoi on avait montré dans la parole. Par rapport à Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. Par rapport à Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. L'écriture des yeux du Seigneur. L'écriture nous dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Qu'il n'y a rien à y retrancher. Rien à ajouter. Mais le côté à combattre sa carte, c'est pour Dieu fait ainsi. Zambé à sa bongo, enfin qu'on les craint. Où est-ce que tu vas parler? La crainte de Dieu, ou pas, ils ont aussi, pour respecter ma cambo Zambati à sa. Consiste aussi à respecter l'œuvre de Dieu. Le verset 15e, Ecclésiaste 3, il dit. Le verset 15 d'Ecclésiaste 3 dit ceci. Ce qui a déjà été.
C'est qui sera a déjà aussi été. Dieu ramène ce qui est passé. Nous avons aussi Ecclésiaste chapitre 1er. Nous prenons aussi Ecclésiaste chapitre 1er. Le verset 9 et 10. Le verset 9 et 10. Il le dit toujours, ce qui a été, c'est ce qui sera. L'Écriture dit de la même manière, Oyo et Zalande et Koukoumaka. Maintenant, tu vois qu'il témoignage dans nous aussi, dans la vie de Jésus. Maintenant, on avait pris le même témoignage dans la vie de Jésus. Jésus dit dans Matthieu 24. Jésus dit dans Matthieu 24. Makambo et Zalande n'allèrent à Sodome. Les choses qui étaient arrivées du temps de Sodome. Il y a un monde à Fils de l'homme. Arrivera aussi ou arriveront du temps du Fils de l'homme. Les choses qui n'allèrent à Noé. Les choses qui étaient du temps de Noé. Il y a un monde où il y a aussi. Arriveront aussi du temps du Fils de l'homme. Jésus perdait qui n'y va pas sa journée. Et Jésus aussi avait prêché tel que le passé passage. Ce qui a été. Oyo et Sala. Du temps de l'autre. N'attend rien l'autre. C'est ce qui sera. Les Oyo et Kokomaka. Ce qui a été du temps de Noé. Oyo et Sala. N'attend rien l'autre. C'est ce qui sera. Les Oyo et Kokomaka. C'est comme ça Jésus aussi a prêché. Au moment où Jésus perdait. Et nous devons comprendre aussi. Et nous comprenons aussi bien aimé. Et ma cambo toujours dans l'Apocalypse. Les choses que nous lisons ici dans l'Apocalypse. Pour nous saisir, il faut tout le aussi la loi, le psaume et le prophète. Et pour les saisir, nous devons lire dans la loi, le psaume et le prophète. Il y a un mot pour le bas qui brille. C'est pourquoi on avait dit ceci. Man caché. Man abo et bagombi. Et dit qu'à la man caché. Demeure toujours la man cachée. Tous les écritures dans mon côté, au bagombi. Manne révélée. Nous n'avons aucune écriture où l'on parle de la manne révélée. On écrit toujours Manne dans Exode 16. Dans Exode 16. Dans Proverbe 2, verset 17. Dans Apocalypse 2, verset 17. Ils ont toujours Manne cachée. Ils attaquent la manne au bagombi. Alors, il y a un moment où il y a un total ça. N'est-ce pas le bagage dans la semaine? Et c'est ce qu'on voulait montrer tel qu'on avait dit au cours de la semaine. Intempérie dérangeait qui bissot dans le culte il y a vendredi. Il y avait la pluie qui nous avait dérangé le vendredi passé. Un des ou quatre qui quand même avant. Alors on avait arrêté avant la prédication. Les textes sont toujours qui. Les textes qu'on avait pris, ils avaient qui Exode 16. C'était Exode 16. Par la grâce de Dieu, toujours en bas. Par la grâce de Dieu, nous les lisons. À partir du verset 32. À partir du verset 32. Dit dans le verset 35. Jusqu'au verset 35. Exode 16. Moïse dit, Mose a dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homme rempli de mannes soit conservé et bon maman pour vos descendants. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase. Mets-y de la manne plein en main. Et dépose-le devant l'Éternel. Afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant lui. Témoignage afin qu'il fût conservé. C'est ça, Marcache. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Jusqu'à l'heure arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à l'heure arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc, écriture, cette écriture bien aimée, et Zota Isabiso nous montre man Isaraki Okweya, la man descendait, et Sukelaki Okweya, tant pas commis dans un pays habité.
Et cette manne avait cessé de tomber lorsqu'ils étaient arrivés dans un pays. Avant de traverser le Jourdain. Yahweh te va tati sa maïté. Pourtant, on va commencer avant de traverser le Jourdain. Parce que arrivé avant la traversée du Jourdain, voilà, bah, vous savez déjà 40 ans de marche. Ils avaient déjà totalisé 40 ans de marche. Maintenant, l'Écriture dit dans l'Exode 16. Maintenant, l'Écriture nous dit dans l'Exode 16. Verset 35. Le verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Donc, manger la manne d'abord. Donc, on lit la manne. C'était 40 ans. C'était pendant 40 ans. Maintenant, Moïse a couffé la souka ya 40e année. Maintenant, Moïse est mort à la fin de la 40e année de mars. En Deutéronome chapitre 1er. En lisant Deutéronome chapitre 1er. A comment livre il y en a 11e mois. Moïse avait écrit le livre de Deutéronome au 11e mois. Il y a 40e année. De la 40e année. La souka na yé okoma. À la fin de son. A couffé. Il est mort. Balélaïe. Un mois. On l'a pleuré pendant un mois. Pas les années Deutéronome 34. C'est dans Deutéronome 34. Donc, allez, allez, 12 ou 12e mois pour Kima. Donc, tout le 12e mois, on avait pleuré. Quand Massis Bolélaïe, 12 ou 12e mois, on a ici. Et à la fin de son deuil, au 12e mois. Cela veut dire, Bazo, dans la 41e année. Cela veut dire, il commence la 41e année. L'année nouvelle. Donc, Moubouyasi. Mais année nouvelle, vous avez une année, je suis. Mais celui qui a apporté cette nouvelle année, c'est Josué. Il était comme l'image de Christ qui apporte une année de grâce. Vous en avez un je suis attentif. Cette année-là. Maintenant, une année nouvelle vient de commencer. Maintenant, lorsqu'il commence cette nouvelle année, il signe dit Bakatissa Jourdain. Il faut qu'il puisse traverser le Jourdain. Et dans ce qui concerne la traversée du Jourdain, Josué chapitre 1er, verset 11e de l'Hébreu. Josué chapitre 1er, le verset 11 dit ceci. Nathanie a compris Jésus-Christ. Amen. Parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne possession. L'Écriture nous dit, Misaké. C'est cette écriture qui nous confirme. Du côté du Jourdain, la manne ne descendait plus. Parce que dans une montagne, on comprend dans lui la manne, c'est ça. Parce que je veux que tu comprennes le langage de la manne. Dans Josué 5. Dans Josué 5. Verset 11, il le dit. Au verset 11. Tant vous alliez les blés du pays. Lorsqu'ils ont mangé les blés du pays. La manne, c'est ça. Manne et silaka. Balia qui sous ce manne. Ils n'avaient plus mangé la manne. Manne, c'est ça. Manne, manne wana kosila. Ils ont manne pour les basoïs comme provision. Ils ont dit manne, on va pomper le col à l'eau pour abolir avant ma casse. Parce que d'après Exode 16. D'après Exode 16. Verset 35. Le verset 35. Ils mangèrent la manne pendant 40 ans. Balia ka manne à mi-gout tout kumine. Maintenant, comme ils voulaient traverser le Jourdain, bah, si, matanga ya Moïse. Ils ont fini le deuil de Moïse. Année 40e année, ici. Et dans la même 40e année, la manne. Maintenant, nouvelle année, Zoma. Maintenant, la nouvelle année commence. Pour nouvelle année, Banda. Pour que cette nouvelle année commence, ordre Pessan. L'ordre a été donné. Bozo, préparez-vous des provisions. Ouais, pour ça la provision. Donc, faites des provisions. Donc, bah, comme manne. Ils avaient pris la manne. Bakatissima ya Mo. Non, Mbokabobé. Ils ont traversé avec la manne juste dans la terre. Dans la nouvelle année. Mais déjà, tout le monde qui aussi. Maintenant, on avait aussi vu. Exode 16. Dans Exode 16. Dans tout à l'heure, verset 32 et 34. Lorsqu'on a vu le verset 32 jusqu'à 34. Qui est besoin qui aussi manne un homme. On avait pris un homme des mannes. Qui dans un vase. Et on l'avait mis dans un vase. Un bomba qui est en gros dans 4 ans. Et on l'avait conservé dans l'arche de l'alliance. Et c'est pourquoi on l'appelle Mana Oba Bumba. Qu'est-ce que nous remarquons? Du côté du repos, ils allaient dans la
main cachée. Il y avait la main cachée qui était déposée dans l'arche. Lorsque la Pâque fut célébrée dans Josué 5, et la manne et la provision avaient cessé. Ils avaient dit fin de la loi. Ils avaient quoi la souka et un béco. Qui Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour nous. Donc, lui qui a moi ici. Lorsqu'on a dit que cette manne a cessé. Fin de la loi. Cela veut dire c'est la fin de la loi. Mais maintenant, papa n'est qu'on y a blé qui pille. Parce que comment est-ce qu'on y a pas pour moi blé à boca à cana. Blé à pays. Le blé du pays, c'est Jésus-Christ. Les alliés Jésus-Christ. Alors, il a Jean 12, verset 24. Il a dit dans Jean 12, 24. Son compagnon à partir du verset 21. À partir du verset 20, les Grecs étaient venus chercher Jésus. Les Grecs étaient des étrangers. Ils n'étaient pas des Juifs. Mais nous voulons voir Jésus. Ils l'ont dit à Philippe. Philippe a dit c'est tout un enseignement. Et Philippe a dit cela à André. Et tous deux, ils ont vu Samuel Jésus. Donc, il va cela avait commencé. Ma grecque m'a émissé Philippe. Les Grecs ont dit à Philippe. Philippe a émissé André. Et Philippe aussi l'a dit à André. Vous m'avez dit que maman m'a dit que l'évangile. Il est écrit que tous les deux vinrent auprès de Jésus. Philippe m'a dit. Pour lui dire. Les Grecs veulent te voir. Et il va se dire pour ça pour mon âme. Maintenant Jésus a l'oubli. Maintenant Jésus a dit. Un grec de blé. Vous m'avez appelé. Donc la réponse est écoute la réponse de ceux qui veulent voir. Un grain de blé. Vous m'avez appelé. Ce qui est pris dans ma mêlée. S'il ne tombe à terre. Écoutez. Ne meurt. Écoutez qu'à la mort. Il restera seul. Mais ce qui est couché. Mais si ce grain-là meurt. Écoubota. Écoïkinitia. Et ce grain-là va produire plusieurs autres grains. Alors, il faut expliquer. Qu'est-ce qu'il expliquait là? Donc, il faut soit Zalaki qui n'a pas na kaka Israël. Avant, tu n'avais que pour enfant le peuple d'Israël. Maintenant, il voulait aussi prendre les gens du dehors. Mais pour les amis, il n'y avait pas un autre chemin. Il doit passer par la mort. C'est ce qu'il avait dit. Comme c'était des étrangers qui étaient venus le chercher. Cela veut dire que c'est ça, ma mort. Pour produire d'autres grecs qui sont les grecs qui sont venus me voir. C'est ce qu'il avait dit. Alors, il y a les blés du pays. Il y a vous m'avez appelé à mon caca. La parole que nous prêchons. L'inobo de Zali à côté. La parole de la vie. L'inobo est au sol. La grâce. Ngoul. Et Dieu. Yata. C'est Jésus-Christ. Et Zali est sous Christ. Maintenant, Josué 5. Maintenant, regardons Josué 5. Man et Siri. Man et Sissa. Man et Sissa. La main qui avait cessé. C'est la loi a pris fin. Et Zali souka ya moubeko. Romains 10, verset 4. Comme le dit Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Christ nous a dit souka ya moubeko. C'est ça, man, c'est ça. Y'a bon de man à cousina. Maintenant, maman, il y a blé du pays. Maintenant, ils ont commencé à manger le blé du pays. Blé de Jésus. Les plaies, c'est Jésus. Il y a des paroles que nous avons reçues. C'est lui la parole que nous avons reçue. La parole interprétée. L'inobo m'a dit bon. Mais il faut que ce qui a été saisi, il sera. Mais il a été au salade et au moment où il mangeait le blé du pays. Man caché, il y avait la manne qui était conservée. C'est la manne de la promesse. C'est la manne de la promesse. Mais parce qu'il y a blé. Mais il mangeait le blé. Quand vous avez blé, lorsqu'il mangeait, il dit que man n'a pas promesse dans l'arche. Ils savent qu'il y a une manne de la promesse conservée dans l'arche. C'est aujourd'hui. Les amis de l'eau. Tous on y a man à blé. Nous mangeons le blé du pays. Non, la parole la grâce. L'inobayangoul. Mais il y a une promesse que Zamba bombe et lui sont man cachés. Mais il y a une promesse que le Seigneur nous a gardé la manne cachée. Parce que man. Parce que cette manne est polade. N'avait pas pourri. Adaba, bambou et l'équipe. Même si plusieurs années étaient passées, cette manne était toujours conservée. Donc, la Bible m'appelle la Kaliwa Obébissama. Dans la Bible, on appelle aussi la mort comme la corruption. Corruption. Donc, Obébissama. Mais, vie, la Sibonga est dans la incorruptibilité. Koloka Obébissama. Maintenant, manne. Maintenant, la manne. Yango, Esaïe Koupolaté, Oye Koumamani Nakatia. Vase. La manne conservée ne pourrissait pas. Cela veut dire que l'icône va. Cela veut dire que cette manne avait la victoire sur la mort.
Maintenant, lorsque la manne est tombée du ciel, Exode chapitre 16, et cela nous montre comment était la manne. Dans le livre, dans verset 31. On dit ceci au verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre. Car elle était blanche. Et avait le goût d'un gâteau miel. Donc la manne était un grain. Nous faisons bien comprendre. Or, l'écriture est née dans un mouvement, nous autres aussi. Or, l'écriture appelle les grains comme un corps. Aujourd'hui, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut évidemment cacher voilà. Tu dois savoir que cette manne cachée, c'est le corps incorruptible. Les amis, nous sommes tous les coquilles qui ont été mis. Toujours la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mangeons la parole. Les pays. Oui, les amis, les amis. Mais pour hériter la manne cachée. Mais pour hériter la manne cachée. 1 Corinthiens 15, l'écriture de la Bible. 1 Corinthiens 15, l'écriture dit ceci. À partir du verset 35. Le verset 35. Dit le verset 38e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quelqu'un dira, si vous te quoi, Koloba, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Verset 36, bien, insensé. Il est mort. C'est que tu sais, oh, oui, oui, oui. Ne reprend point vie. S'il ne meurt, et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. Des blés peut-être. Ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc ici on compare. Donc le nouveau corps qui couvre les mains. Comme le cola. Corps propre. Nous autres et le corps. Il y a semé correctible. Semé correctible les uns autres. Donc c'est ce corps ici que nous avons. Les incorruptibles, cela veut dire l'Iwaï soit carbone. Donc la mort peut atteindre notre corps. Mais ressusciter incorruptible. Parce que c'est quoi le coqui pour la tête. Ressusciter incorruptible. Ou c'est quoi pour ça les corps le corps où il est même comme manne cachée. C'est le corps qui est appelé comme la manne cachée. Aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 5. C'est pourquoi tu prends 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai lu ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Nous savons en effet. 2 Corinthiens 5, verset 1 et 5. Que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente. Désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Pour te vêtir, il faut la solati. Tu dois être trouvé vêtu. Donc, colata oui, pour ça qui vaut la tanzot. Donc ta tes vêtements qui fera que tu puisses revêtir le corps de gloire. Et ces vêtements-là, c'est les bonnes œuvres en Jésus-Christ.
Romains 13, verset 14. Romains 13, 14 dit. Et le lit est répété, vous dit Seigneur Jésus-Christ. Voilà, t'as colloyé sous le col et là-bas. Nous sommes collates. Donc si tu es vêtu, néocolates. C'est alors que tu te vêtiras encore. Mais sans collatité, mais si tu n'es pas vêtu, collate, tu ne te vêtiras pas non plus. Donc ces vêtements s'habillent les amis salaires. Donc c'est les œuvres de la parole de Dieu. Donc on se tous à la parole. Donc tu obéis à la parole. Tu qui viens pécher. Tu abandonnes le péché. On se craint de Jésus-Christ. Tu crains le Seigneur. On se persévère dans la foi. Tu persévères dans la foi. Ah, vous avez un collat. Alors tu es vêtu. Au collat. Alors tu te vêtiras encore. Maintenant que vêtir dans l'avenir, Philippiens 3, verset 20 à 21, le dit. Philippiens 3, le verset 20 à 21 dit. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera les corps de notre humiliation. Corps humiliation de corps corruptible. En les rendant semblables au corps de sa gloire. Corps à gloire, mais il y a un dans Apocalypse 2, verset 17, va bien en haut. C'est le corps de gloire qui est appelé dans Apocalypse 2, 17. Man caché. Alors on a continué dans le verset 21. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, ceux qui n'ont pas de fraude, si dans des choses, dans les affaires des hommes, il y a des fraudes, mais chez le Seigneur, il n'y a point de fraude. Sauf à la sainteté, si tu es saint, tu vas revêtir ce corps-là de gloire, ce qui sainteté est à terre. Si tu n'as pas de sainteté, tu ne vas pas non plus te revêtir de ce corps. Cela veut dire que tu vas rater l'enlèvement. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu as passé ta vie en vain. Pourquoi tu as la honte et la libéra? Pour entrer dans la honte éternelle. Aujourd'hui. Désir d'être trouvé vêtu aujourd'hui. Donc c'est que nous tenions à la perdre. Donc tout celui qui était dans la perdre, une fois à la colata, il doit être trouvé vêtu pour vêtu. Donc il faut manger les blés. Et ce qu'il y a les blés pour promesse ou et ça aussi aller. En fait, les sept promesses de la main cachée lui appartiennent. Et le Seigneur a fait encore une promesse, il y a caillou blanc. Et le Seigneur a fait encore une promesse du caillou blanc. Il faut n'arriver pas pour que tu dois savoir ceci bien. Caillou, et ça, il va me manquer. Les cailloux, c'est une petite pierre. C'est ça pierre. Donc tout ce sont des pierres. Mais ça quand même rocher. Ça n'a pas mal à mon nez. Et ça aussi, un caillou. Ça dit que la libanga est bouquée. Le langage dans la Bible est dans la carte. Il faut être bien respecté. Et ce langage-là dans la Bible doit être bien respecté. Et tant que dans l'écriture de Dieu, et lorsque nous regardons les écritures de Dieu, la façon dont Dieu a marché dans les écritures, nous l'avons dit à Tapola dans ma commune, à Salela libanga na Elobelia royaume. Il a utilisé la pierre en termes du royaume. Tozui, dans le songe, il y a Nebuchadnezzar. Nous prenons le songe de Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2. Nathalie Sarata, moi, sur parole, les apôtres. En tout temps, j'ai toujours montré que la parole est pour toi. Il faut qu'au Saraka, nous sommes ensemble sans pour autant obimanango, ils ont écrit. Tu dois faire l'œuvre de Dieu sans sortir de ce qui est écrit. Dieu a tout mis par écrit. Nous avons à dire bien sur la macomie. Nazi, quand Daniel a expliqué. Je prends lorsque Daniel explique. Dans Daniel 2. Dans Daniel chapitre 2. Dans verset 44. Au verset 44. Dans les temps des cieux, nous lisons dans les cieux. Amen. Les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et
et qui ne passera point sous la domination de notre Père. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Le verset 45. Il y a Daniel 2. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les songes sont véritables. Et son explication est certaine. C'est la parole du Seigneur. La bataille ici, là, on nous a montré que la pierre, c'est le royaume. Mais donc, voilà, la pierre, mais comme la pierre, c'est le signe de la chose qui perdure ou qui dure, inébranlable. Mais le vrai qu'on dit dans la tête, c'est aussi la pierre. Qui parle aussi de la pierre. Parce que aux hommes, la pierre précieuse, diamant. Aux hommes, la pierre précieuse, diamant. Ils ont dit une pierre, mais un caillou. Ils ont dit une pierre, mais un talon, mais un cassibama, ok. Toujours pas la malin. Nous faisons bien comprendre. Toujours, Ézéchiel 3, verset 9. Bien. Prenons Ézéchiel 3, le verset 9. Ici le Seigneur s'adresse. Il lui montre enseigner la parole. Comment est-ce qu'il doit enseigner la parole? Sans que tergiverser. Na kutata banate. Ate à droite mal la parole. Il puisse prêcher droitement la parole. Alors le Seigneur lui avait rassuré. Dans verset 9. Au verset 9. Je rendrai. Donc verset 9, Ézéchiel 3. Le verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant. Plus dur que les rocs. Donc, diamant, est plus dur que les rocs. Donc, diamant, voilà, il dit. Ça, c'est l'écriture de Dieu. Ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille des rêves. Donc, Zamba créa qui est l'autre mot qu'on a essayé. Le Seigneur avait créé une chose dans le prophète Ézéchiel. Il a commis ce visage comme un diamant. Il avait rendu son visage plus dur que comme un diamant. Et l'autre, tout le mais ce que nous voyons. Il était un diamant et le qui roc. La dureté du diamant est plus que le roc. Donc, avant tout le ça. Ici, nous montrons. Et les moyens, oh, et ça. Inébranlable. Le signe de la chose qui est inébranlable, qui ne peut bouger. C'est comme ça que Nassar a dit Ézéchiel. Et c'est comme ça qu'il avait rendu Ézéchiel. Mais il faut ne rien pas mourir. Mais tu dois savoir ceci, bien aimé. Dans Hébreu 12, dans Hébreu chapitre 12, à l'ouvrir la mission sur ce qui est inébranlable, à l'ouvrir la mission d'un haut et qui connaît Nana. Na ce qui est inébranlable. Tout un royaume qui est inébranlable. On l'appelle comme tout un royaume qui est inébranlable. Donc, royaume, donc ces royaumes-là, ils ont une pierre. Ils ont une libanga. Dieu bénisse. Ah. Mais il faut na yoye bake. Mais tu dois savoir, bien-aimé. Comme Dieu, le Coran a pensé qu'il pouvoir n'y se pas Adam. Avait donné tout le pouvoir à Adam. Adam a comme le premier. Adam a le Coran yambo. Et dans quoi quoi? Et lorsque Adam est tombé, Zambé n'a qu'à ta descendance Adam a dit à Mouzanam. Et le Seigneur dans la descendance n'avait personne. Il y a quoi pour dire que la loi qui lui aime le premier. C'est pourquoi il avait introduit la loi qu'il aime toujours le premier. Bon, après ça, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé encore. Parce que ça, il va y nous autres. Donc, tant au moni, Zambé a su, a fait si beaucoup de et pas y a Adam. Lorsque tu vois le Seigneur donner la domination à Adam, Adam, Zala qui fils. Adam était le fils.
Donc, faisons-nous à notre image. Donc, image est un sacrifice. Donc, royaume, parce que c'est un royaume difficile. Donc, le royaume, c'était le royaume difficile. Donc, tant que tu es bas, lorsque nous chantons, Bamsous Maloubi, les autres disent, Yesu Azali Mwananza. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bamsous Maloubi, d'autres disent, Azan prophète. Il est prophète. Bissot Maloubi, nous nous disons, Azan qu'il est Dieu. Donc, Bissot Maloubi, Ndamou. Nous aussi, nous avons parlé en partie. Parce que Jésus aussi est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu en ce qui concerne l'héritage du royaume. Parce que le royaume était donné au Fils Adam. Parce que le royaume était donné au Fils Adam. C'est pourquoi tu veux. Le trône porte le nom de David. Le trône porte le nom de David. Maintenant, le trône, on doit le donner au Fils. Même pas besoin de Jésus dans Luc chapitre. Les anciens nous parlent de Jésus dans Luc. Parce qu'on comprend. Parce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas enlever Jésus comme fils. Le Seigneur a travaillé la Bible dans l'attribut du fils. Dans le mouvement. Dieu a travaillé dans l'attribut du fils dans ce mouvement. Donc, Azali, fils de Dieu. Azali, moi, là, en Zambèque. Aujourd'hui, Romains chapitre 1er. Prenez Romains chapitre 1er. Autant qu'à partir du verset 1er, dit la 4e. À partir du verset 1er jusqu'à 4. Donc, où il a vaincu la mort. Donc, celui qui a vaincu la mort, fils de Dieu. Azali, moi, en Zambèque. Azali, fils de l'eau. Azali, moi, là, en Moto. Aujourd'hui, Jean chapitre 5e, verset 27e. Jean chapitre 5, le verset 27. Pois à chiche. Alors, il dit Azali, au sens. Fils de il est le fils de l'homme. Il est mon co aussi un fils d'Abraham. Et c'est le même qui est le fils d'Abraham. Aujourd'hui, Galates 3, verset 16. Vous prenez Galates 3 au verset 16. Voilà les apôtres, l'héritage. Là, c'est pour l'héritage. Azan fils de David. Azali moi na David. Pour un héritage et un trône. Pour la consomme, la brûlée à vous conti. Baptême mignon soit les intérêts utiles. Et tous ces termes sont très utiles. Pour la nuit, un travail d'un fils. Pourquoi il avait travaillé dans la tribu du fils? Pour moutou mon côté à Boka qui cause héritage. Parce que nous sommes tous bébats. Parce que personne ne pouvait recevoir l'héritage, tout ce que sont les péchés. Il y a sa testataire. Lui, il est le testament. Il a fait son testament. Et toute la richesse. Il frappait sa fils. Il doit les donner au fils. Mais la ma fils. Mais parfois. Il sa premier-né. Il doit donner au premier. Mais la ma fils. Mais parmi premier-né, Adam, c'est à vous. Les premiers-né étaient déjà là. Maintenant il va conserver son maintenant, fils. Maintenant il faut appeler fils. Maintenant il doit créer un autre fils. À côté Adam. Il doit enchanter le suite. Alors il va prendre la côté sa moi en vigueur. Il va rentrer en vigueur dans le premier. C'est il va prendre à ça. Pourquoi le premier fils je ne peux pas compter Jésus comme fils. Comment le fils moi nous sommes dit les athées. Tu portes Jésus comme fils, il n'y a pas moyen que nous soyons sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Et on va dire à mon royaume de son fils. Pour continuer à bas. C'est comme ça qu'on va et c'est comme ça qu'on appelle son royaume. Et lui-même s'est appelé dans Luc 7. Dans Luc 7. T'as pas son tourne. Lorsqu'il pose la question. Qu'est-ce que ça le désert? Il parlait au sujet des gens. Alors, un homme bien habillé. Mon toi arrête ma lame. Mon toi a dit ma lame à lui Azaraka, Nakati, Yandapa. Ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons. Qu'est-ce que allez vous voir? Un prophète. Au Sapoli. Allez plus que prophète. Ou allez qui attend au Sapoli. Nazoué, il s'est mis parmi ceux qui sont les femmes. Je vous dis que la Katikat avait ma côte à ma base. Et Tikala comparait toutes les plus grands locaux la chambre. Et puis Mathieu, il y a mon aimé collègue Yohann Baptiste. Yohann Zambé a Zouaki, Jean-Baptiste a été égal à Moïse. Et là, le Seigneur a fait de Jean-Baptiste comme Moïse par cette parole. Parce que Moïse n'est l'exode 29. Parce que c'est Moïse dans l'exode 29. Dans verset 4. Au verset 4. À Sokola Aaron. C'est lui qui avait lavé Aaron. Et ses fils. N'a pas l'année pour ma compte à la Moussa. Afin qu'il puisse être consacré dans le Jourdain. Maintenant dans le Jourdain. Maintenant dans le Jourdain. Jésus a Aaron. Jésus-Christ est Aaron. Maintenant Moïse. Déjà Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Pour l'Exode 29, verset 4. Parce que dans l'Exode 24, nous t'assommons là Aaron. Celui qui avait la Aaron. Moïse. C'était Moïse. Et donc, voilà, j'ai compris. Et Jean ne l'avait pas compris. Il y a un moyen de baptiser.
baptisé. Pourquoi il avait refusé de baptiser? Non, baptisé. Non, moi je ne peux pas être baptisé. Il faut y en baptiser. Mais c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit, laissons accomplir ce qui est. Si quatre coquilles savent, ils allaient engager Benin. On a tous déjà animé pour ça. C'est par obéissance que Jean l'avait accompli. Parce que normalement, il joue dans le Jourdain. Parce que ce jour-là, dans le Jourdain, Jean-Baptiste. Joanne ou baptiste Moïse. Ils allaient dire Moïse. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avant. Il était avant. Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour nous. Il y a un mot qui dans le 34. Moutoulokola Moïse parmi les prophètes, même parmi Batoazakate. Comme il est dit dans Deutéronome, il n'a paru aucun prophète semblable à Moïse. Dans Deutéronome 34. Dans Deutéronome 34. Jésus est allé dans le monde. Il fallait que Jésus puisse le répéter au sujet des gens. Il y a même un bon agent, Moutoyo Azalokola est parmi ceux qui sont des femmes. Athée. Il n'y a personne comme Jean parmi ceux qui sont des femmes. Donc, aux yeux de la Luxette, tu penses pas à Luxette, aucun amour dans Deutéronome 34. Et tu le maries à Deutéronome 34. Mais le Seigneur a dit. Mais le Seigneur a dit. Mais les plus petits dans le royaume. Moi, n'y a aucun dans le côté à Tzambé. C'est lui les cailloux. Il y a un ami qui parle à mon. Les plus petits. Moi, n'y a aucun. Et plus grand. Il y a l'équipe qui n'a pas dit sur l'équipe à Tunance. Il y a un ami cailloux. Mais c'est lui qui est le caillou. Donc, royaume du Fils. Donc, pour qu'on dit à moi, n'y a Tzambé. Que Dieu te bénisse. Amen. Natangi Luc chapitre 11. J'ai lu Luc chapitre 1. Verset 32. Le verset 32. Il sera grand. A cause de la carbone. Et sera appelé fils du Très. Et à cause de la carbone, il sera appelé à Nicolas Colin. Et le Seigneur Dieu. Père Colin Zabé. Nazan, verset 32. Il y a lu. Chapitre 1. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et quand on a héritier y a trône. Le nom qu'il avait donné à Jean dans Marc 3. C'est son propre nom. Et ça l'a dit comme on a eu beaucoup. Nous en avons là. Amen. C'est son propre nom. Donc c'est que, c'est-à-dire, à sa plus petit, à sa vie, il y a aucun collègue. Donc serviteur de tous. Oui, à sa vie, on sait qu'il y a pas. C'est ça, Karim. Il y a un côté qui parle à aucun. Que Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour lui. Mais cette nature, parce qu'il est bien honnête pour ça, il faut bien étaler sa manacre dans la forme d'humilité. Donc, si c'est manifesté en nous en forme d'humilité. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Na culte, na semaine, ben na deuxième culte. Au deuxième culte et au cours de la semaine. Mais il faut m'aimer, papa là. Mais tu vas savoir ceci bien. Que la promesse faite au peuple de Dieu, nous allons continuer à la catinaire. Et nous allons posséder la promesse faite au peuple de Dieu. Le Seigneur, à Koutana Gédéon, il avait croisé Gédéon. Il n'avait pas combattu quand c'est un qui est tombé. Lorsqu'il appelait vaillant héros, il avait dit Gédéon, c'est en bas. Il va vaincre. C'est pourquoi je t'avais montré. Et que Adam. À mon la 8e génération, 8e, donc moi, n'amour Enoch abouti. Il avait vu jusqu'à la 8e génération le fils qu'avait engendré Enoch. Et donc, on sous la roue, c'est la cabine par la suite. Et d'autres choses, je vous les ajoute. Mais il y a un calcul en Genèse 5. Et toi-même fais ces calculs de Genèse 5. On peut remarquer que cette père Nios, on a été battu à Nios au savoir. On peut remarquer à Adam. À partir d'Adam. 7. Et tout ce qu'on dit se suit. Mais Basala qui vivant tant où Enoch a bondi. Moi. Basala qui a beau mot et tant que nous avons 7 pères.
souffert qu'il y a dans le mais dans zone de la création Adam a azalagi vivant et non qu'a manifesté fils mais je parle d'Adam qui était vivant lorsque non qu'a manifesté le fils mais touché là oui Zalaki me touché les aïe et les je ne vous laisserai point offert c'est le signe que la petite kaka minoté va nous je serai toujours avec n'a pas salata kaka la minoté. Il y a mon frère qui la grâce de Dieu pour lui moi. C'est pourquoi tu vas savoir que la grâce de Dieu ne disparaît pas. C'est la source de salut pour tous les hommes. Les amis, tu m'as dit qu'on peut la battre à chaque temps. Et la bataille la grâce de Dieu pour la peau, à la peur, mais n'ayez pas dit. La grâce de Dieu subsistera parce qu'il a son peuple enseigné. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que le Seigneur te fasse sur toi. Par la grâce de Dieu, je voulais vous transmettre un communiqué. Parce que vous êtes des saints. Nous avons formé une famille, une grande famille. Nous formons une grande famille. Les seigneurs. Les seigneurs. Tango. Adam, tout ce qui parole t'est. Lorsque Adam n'avait pas obéi à la parole, il a excommunié qui Adam. C'est lui qui avait excommunié Adam. Après jugement sambisi. Après avoir qui est libana. Et le Seigneur l'a livré hors du jardin. Ça c'est la parole. Wanizaki Romanzabé. Et ça n'a qu'à on a zapolé la awa aussi. Il y a un cas dont je faisais allusion. Dans mon premier enseignement. Dans l'un de mes enseignements, Naoué Tali, la maison frappée de lèpre. En ce qui concerne la maison, Naoué Simbani n'a malade à part. Dans Lévitique 14. Dans Lévitique 14. Natangi Yangona Kongona Jésus Christ. Je le lis au nom de Jésus Christ. Lévitique chapitre 14. Lévitique 14. L'écriture de Dieu déclare ceci. Il commence à dire à côté de sa voix. Pour la maison frappée de l'air. En ce qui concerne la maison qui est frappée de la lèvre. La bande en verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. On a dit en verset 44. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Yahweh a dit Simon Sénat, on a pu atteindre. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, verset 35, il y a Lévitique 14, celui à qui appartiendra la maison, ira le déclarer au sacrificateur et dira j'aperçois comme il plaît dans ma maison. Le sacrificateur avant d'y entrer pour examiner la plaie ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les mines de la maison des cavités verdâtres, au rougeâtre, paraissant plus enfoncé que les mines, il sortira de la maison. Et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Verset 39, il y a le 14.
Les sacrificateurs y retournera le septième jour. S'ils voient que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on entre les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impie. Il fera racler tout l'intérieur de la maison des premiers pour rétrécir la maison. Verset 43 et le 14. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et rétrécit la maison. Verset 44 et le 14. Le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impie. Verset 45, il y a le 14. On abattra la maison. Les pierres, les bois et tous les mortiers de la maison. Elle emportera ces choses hors de la ville dans un lieu impie. Ça, c'est l'écriture du Seigneur. Les années Zambé à Salaka, Salanaye. C'est la manière de Dieu de travailler. Donc, si la maison est enfrappée dans lèpre, ce qui n'a besoin ni la maladie en bas, sacrificateur a besoin d'un lien et pour lui a soigné lèpre ici. Le sacrificateur aura la manière de soigner cette lèpre afin qu'elle prenne fin. D'abord, propriétaire en lèpre n'a pas une fois l'oba. D'abord, c'est le maître de la maison qui va le déclarer au sacrificateur. Il y a une procédure pour ça. Et il y aura une procédure qui va suivre. Et celui qui va venir. Les prisons continuent à frapper quelques pierres et lui en webélé. Et si on voit la lèpre s'étendre encore sur d'autres pierres, on va enlever ces pierres. Yes. Et on va remplacer par de nouvelles pierres. Mais à quoi va remplacer ainsi? Même si on remplace ce qui va venir et on tabille sous ce tourni d'accord. Mais si on voit encore la lèpre s'étendre sur toute la maison, alors la on a suivi la procédure. Et cette maison n'a point de vie, elle ne peut exister. Afin que cette maison n'existe plus. Et c'est la chose qu'on veut dire. Nous avons révélé sur la situation que Komeli, frère Kalo Kabunda Albert. Nous parlons de la situation qui est arrivée au frère Kalo Kabunda Albert. Nous avons une lettre au Batini après Baba Soron et Massali à Kinshasa. Il y a des lettres qu'on a envoyées en prêt pour parler de Kinshasa. Azad de prier dans le ministère. Il y a le mot lié à Moussalakon. De prier, de livrer dans Satan. Et ma voix qui est dans la groupe à Satan. Donc, nous allons faire partie de la Katiaba Centre. Il est à ta famille sous ce thé, Katiaba Centre. On expliquait dans l'écriture pour comprendre. C'est pourquoi je t'ai expliqué l'écriture pour comprendre. Maintenant, nous allons voir la lettre à mon attendant. Maintenant, je prends cette lettre pour la Bible. L'écriture est lobby. L'écriture. Lettre lobby plutôt. La lettre dit livraison de docteur Albert Kalo Kabunda à Satan et son dépouillement du sacerdoce au ministre de Dieu, frères et sœurs dans toutes les assemblées des saints. Donc, on a adressé cette lettre à toi.
on me l'a adressé. Et aussi à nos sœurs. Et la sœur aussi doit écouter la lettre concernant le frère. Parce que moi, au ministre de Dieu, frère et sœur de toutes les églises de saints, chers ministres, frères et sœurs, voilà à ce jour plus de 35 ans que nous faisons face à un cas de récidive d'adultère, d'impudicité, et destruction des couples et les foyers dans les chefs de frères Kalo Kabunda. Une vie et une histoire caractérisée par des scandales et les livraisons multiples. L'un dernier cas qui nous amène à prendre les décisions, reprise en marche et l'histoire d'une servante de Dieu, que le docteur découvrira un dimanche lors d'une présentation à l'église. C'est alors que le docteur s'intéressera à la sœur et lui proposera de la produire et d'assurer sa promotion. Bonne foi ou piège. Et comme condition pour la produire, la sœur ne devait pas s'engager pour le mariage. Nous nous posons la question de savoir si cela est une condition pour réussir dans une carrière musicale ou une stratégie pour avoir un accès facile à l'intimité de la sœur. La demande du docteur commença par un enseignement tronqué sur les sacrifices qu'il va donner à la sœur, en disant: toutes choses dans la vie demandent des sacrifices. De quel sacrifice le docteur parle-t-il? Par la suite, la sœur comprendra que les sacrifices dont parlait le docteur n'étaient autres que les actes sexuels qu'il devait poser sur elle pour la produire. Et avec le temps, les prédateurs avaient fini par révéler ses intentions. Prédateur Kalo. Les messages audio et captive WhatsApp en sont la preuve. C'est le jour où la sœur lui dira
qu'elle s'est engagée dans les fiançailles. Donc, c'est la ici, et en tout cas, la sœur lui a dit, frère, on va proposer un dialogue qui est dans Abanaba. Et un frère m'a proposé aux fiançailles que le docteur prendra la décision de ne plus produire la sœur. Et mon père, il y a posé mon cas, il y a ça, il s'est sous le côté, il y a posé la mienne. Et lui dira, bien, ceci, après avoir investi son argent, montre à suffisance la vraie face de ce que cache la maison. Il regarde ce qui précède. On a dit ça, mais moi, ce petit colo-manicolo. Nos ministres de Dieu. Bisso, Massagne, Yantambé. De l'église de l'université 83. Il y a Ecclesia et l'université 83. Après délibération, rendons le verdict suivant. Le frère Karo Kabunda est livré à Satan. Et de ce fait, n'a plus les droits de communier avec tous les saints du monde. Ayant trouvé un écart entre les traces de Christ, Bâtir parenthèse, acte 10, 38. Qui allait de lien en lien, faisant du bien et guérissant les malades, il avait de même pour les apôtres du Christ et celle de l'apôtre du Christ. Et celle de frère Karo Kabunda. Car nous constatons que depuis plus de 35 ans, que le frère va de lieu en lieu, couchant avec des femmes, engrossant certains, abusant des filles d'autrui. Non marié, détruisant les paisibles foyers, couchant avec les membres d'une même famille, et faisant manquer la paix au sein, partout où il se rend. Le collège de l'université 83 a pris l'option de ne prier le frère Kalo du sacerdoce. 1 roi 2, verset 26 à 27. Et puis que sa lèpre ne fait que ça s'étendre. Et devient incurable. Lévitique 14, 34 à 45. Malgré tout ce qu'on a fait sur lui, nous avons décidé de détruire cette maison. Et qu'elle devienne inhabitable. De ce fait, il n'a plus le droit de se tenir devant le peuple de Dieu. Il n'a pas fait preuve de vie et de paix. Parenthèse, Malachie 2, verset 5. Au cas où le frère Carlos se croirait habillé. Esaïe 3:6, pour être chef du peuple ou prêcher l'évangile, car pour nous il est né.
Nous lui demanderions de créer sa propre communauté. Où il évoluera comme prédicateur sans nous. Collège des ministres, apôtre Kassi. Isanga Yabate Itoma Kassi. Kassanji. Kassanji. Pasteur Bruno Kabunda. Montei Bruno Kabunda. Docteur Bescombe. Monakisi Bescombe. Docteur José Ibono. Be Monakisi José Ibono. Aïe, vous pouvez s'engager dans la table de thé. Alors, il y a un peu de temps pour nous. Parce qu'il y a la vérité. Pour ma trousse, je m'en ai dit, mais t'as qu'à vous demander moi. Avec ça, la table de thé. Que Dieu te bénisse. À condition de lui être totalement soumise. Il est également reproché au docteur l'utilisation ou le reniement de l'enseignement dans le but de satisfaire ses appétits sexuels. Notamment, lorsque la sœur lui dira que qui est mon père, je ne peux pas coucher avec toi, de peur d'être maudite, le docteur lui répond en disant, donne-moi un verset qui dit que tu seras maudit si tu couches avec moi. Portion de Lévitique 18-7. Ou encore lorsqu'il dit à la sœur, toi qui n'es pas soumise, la soumission dont question, selon question ici, en acceptation de passer par son lit adultère pour la production. Ephésiens 5:22, mal enseigné. Comme s'il était encore célibataire, les frères ne cessaient de faire la promesse à cette sœur de lui trouver une maison où elle vivrait seule. C'est la condition. Pour produire, à travers ces correspondances, WhatsApp et audio, déshonorante et honteuse, le docteur a tout simplement montré au saint et au monde la vraie face cachée de la vie qu'il a toujours menée et dans laquelle il est plongé malgré toutes les sanctions qui lui ont été infligés dans le passé et qui n'a jamais pris la ferme résolution d'abandonner. Proverbe 28:13. Notamment quand il vend
ses exploits. Il est calé sur le plan sexuel. Ses capacités d'engrosser même une femme déclarée stérile. Combien déjà ses capacités changer le corps d'une femme en faisant sur elle des pratiques honteuses dont nous taisons les noms ici. Pratique mondaine est propre aux acteurs de cinéma XXL. Dieu seul sait combien de filles et femmes sont victimes de cet homme. Qui aujourd'hui se révèle être un loup ravisseur et un mauvais berger pour les brebis du Seigneur. Il va plus loin en disant: je vais enseigner cela à l'église. Donc ces bêtises et ce corps de foudre incontrôlé à l'église du Seigneur. Donc à la cas qui sert à prendre nos yeux, on va convaincre que tu vois ma chère. Voilà ici un nombre de questions que nous posons en rapport avec le parcours de frère Kalou. Pourquoi l'appeler impudicité adultère? Le frère Kalou ne guérit-elle pas? Jérémie 15, verset 8. Comment la vie d'un homme appelé montrer le chemin du salut aux autres doit-elle rester stérile toutes les années? Malachie 2:5. Pourquoi les frères Kalou laisse des dégâts partout où il se rend, qui chasse, qui s'engage, et rompe? Contrairement aux actes des apôtres, comment même après son mariage, il arrive à pas à vaincre l'impudicité? 1 Corinthiens 5, verset 2. Comment un homme marié peut vivre séparé de sa femme plus de 15 ans sans raison doctrinale? Et après, on a ma décision si Nathan a dit déjà bien avant. Et après, c'est là la décision que j'avais eue bien avant. Je pense que vous avez annoncé, non? Je pense que vous avez écouté cette annonce. Et moi, j'ai toujours dit le Seigneur me dit. J'ai toujours dit que na c'est la canaro et encore la yosina. En 2021, c'est la réunion ensemble dans la université 83. J'avais demandé une réunion ensemble avec les prédicateurs de l'université 83. Dans cette réunion, je leur avais dit ceci. Ils ont des enregistrements où les hommes. Le docteur Kalou. Montei Kalou. Il est dans un autre sacerdoce. Et moi je suis dans un autre sacerdoce. Et je ne peux jamais travailler ensemble avec lui tel qu'il est là. Je le considère toujours comme un pasteur de protestants et de magistres. Là, c'était à la réunion que j'ai fait.
Et il s'est dit, j'ai dit, tel qu'il est là, je ne peux pas travailler ensemble avec lui. Je n'ai pas un problème avec lui. Nazana n'est pas côté, mais c'est un problème à sa sentence. Parce que Zali n'est pas monté à tout moteur au Kamanzan. Nazana est bien avec les autres pasteurs. Je suis bien avec les pasteurs du dehors. Il y a pas l'église aussi, surtout pour moi. Les pasteurs des autres églises. Et seulement lui. Et seulement avec le frère Kambo. Et là, tout l'équipe à mon réunion. Oui. Et je leur avais posé la question dans la réunion. Sacrificateur. Celui qui déclare pur le lépreux. C'est vous qui étiez le juge pour juger le cas du frère. Vous l'avez fait retourner à l'église. Maintenant, je vous pose la question dans cette réunion. Parmi vous tous les ministres, qui est convaincu que le frère Kalo est pur de sa lèvre? Quel ministre n'avait accepté que le frère Bible? Il y avait l'apôtre Cassie, le pasteur Bruno, le pasteur Bruno, le frère Timablis, l'apôtre Lupota, docteur Jean-Pierre Moubéla, ma docteur K. Avec le docteur Kalou et tous ensemble. Même si par contre, c'est que vous confirmez bien en Yanzouké à Bible. Je leur ai dit que vous avez tous confirmé que le frère n'est pas pur. Mais comment l'avez-vous fait retourner à l'église? Même si par contre, nous sommes en oui, t'es allé poser. Je lui ai dit, je ne veux pas jouer avec l'onction qui est sur moi. Je ne vais jamais travailler avec ces vases, l'homme des canaux. Avant, Penaya Ao, avant que je ne vienne de Santa, on dit Ariwa, Kampala, à Kinshasa. Lorsque je fais Ariwa à Kampala pour arriver à Kinshasa, en février, le 21 février. J'étais ici le 21 février. J'avais croisé notre serviteur de Dieu de l'université. Et je leur avais dit ici, parce qu'ils étaient venus me rendre visite. Ils avaient pasteur Bruno, le pasteur José, Bruno et le docteur José. Je leur ai dit ceci. Je m'en vais à Kisangani. Mais je vous dis, le Seigneur va jeter Kalo à Satan, lui et sa suite. Vous aurez besoin de gérer l'information. Vous aurez besoin de gérer ces informations. Mais vous ne parviendrez pas, le Seigneur va les répondre. On avait fait deux rencontres. Parole, même ceux qui m'ont répété. Je leur ai répété le même parole. Et ils ont dit à quoi il m'a excommunié. Lorsqu'il sera livré à Satan, il ne sera pas seul. Avec tous les serviteurs qu'il avait soutenus. Moi, je m'en vais à Kisangani et je refuse de vivre à cet opprobre. Je leur ai dit cet opprobre, Marie. Je ne sais pas, je suis un sous l'opprobre à la tête. Maladie, maladie, tout. Femme qui est ici dans la là où j'étais à l'île, il y a un pauvre qui a un pauvre gérant à côté. Et vous ne parviendrez pas à l'île. C'est le Seigneur qui va livrer la personne entre les mains du diable. Je leur avais déjà dit. On ne se moque pas de Dieu. Notre problème, les amis, il faut être spirituel. Ou élever la parole seule. Vous savez, la macabre va sentimenter. Il ne faut pas faire les choses par sentiment. Tombe la caca, la parole. Élève seulement la parole de Dieu. Sentiment n'a rien par rapport à l'écriture sainte. Les sentiments sont par rapport aux saintes écritures. Au téléphone. Tu n'es pas appelé à l'appeler au téléphone. Information nous sont en moi en chaîne. Toute l'information, tu les as reçues sur Dieu de la chaîne. Et donc, les amis, il faut condamner ça. La chose qui était mal, il faut le condamner. Dans l'église, tout le monde a le mal au milieu de nous. Dans l'église, nous sautons le mal au milieu de nous. Que Dieu bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur les amis encore en et que la paix du Seigneur soit le papa de chacun. Maintenant, pour vous passer. Service de Dieu. Maintenant nous passons à nos services. Et nous croyons que le Seigneur va en amour pour la mission. Nous avons dit que le Seigneur est bon pour nous.
esengeli na biso tokoka ko osala